Deux, trois petites choses que je veux raconter un petit peu. Tout d'abord, je veux remercier tous les joueurs qui sont sur Talis. Je veux vous remercier, vous qui êtes ici. Donc, le serveur a un an et il s'est plutôt bien développé. Hein, Percy, tu peux confirmer mes propos. Hein. User in your oui. Channel started recording. Donc voilà, le serveur, au départ, il a commencé, on n'était pas très nombreux. Et puis on a eu quand même de très bons soutiens. Alors je vais pas citer les noms de tous les membres du staff qui sont soit encore parmi nous, soit qui nous ont quittés depuis. Alors ils ne sont pas morts bien entendu, hein, on va éviter ce genre de délire. Et je me dis que j'aurais peut-être dû préparer un discours en fait, parce que je vais me mélanger dans les pinceaux, mais bon c'est pas grave. C'est pas grave, c'est le feeling, c'est le talent. C'est donc voilà. En termes du serveur, donc cette deuxième année, ben, on va continuer sur la lancée de la première. Le serveur a subi quelques petits changements, on va dire, architecturales ces derniers temps. Mais c'est pas pour ça que l'esprit de Talis va changer. Hein. On va conserver la même mentalité, les mêmes principes qui font de Talis notre serveur, à savoir la convivialité. La gratuité le plus possible, la communauté hein, qui s'est développée ces derniers temps. Donc voilà, et je vais aborder encore deux petits points et après je vais arrêter parce que ça va peut-être faire un petit peu long. Hein. Tout d'abord, je souhaite remercier tous les membres du staff qui ont rejoint récemment et qui ont permis de donner à Talis un second souffle là ces derniers temps en termes de construction notamment pendant mon absence involontaire hein, et qui a duré beaucoup trop longtemps. Donc voilà, je tiens à remercier bien évidemment Percy d'avoir tenu le choc sans moi. Hein. Oh, c'était pas trop dur. Enfoiré. Je souhaite remercier bien évidemment les animateurs, les modérateurs. Un merci tout particulier quand même à Baro qui est là depuis le début et qui, enfin, sans lui, je pense que Percy t'aurait été un peu débordé ces derniers temps. Totalement. En tout cas, c'est ce que Percy m'a avoué ces derniers temps. Bref, donc concernant l'avenir du serveur également, on va parler du côté financier. Donc il faut savoir que depuis le début du serveur, c'est bien évidemment moi qui finance le serveur et on a récolté grâce aux dons des joueurs. Environ 70 euros, hein, arrête-moi si je me trompe, Percy. C'est bien ça. Depuis le début du serveur. Ouais. Enfin, il y a eu 3 achats hier, donc on est à 72, 73 à peu près. Youpi. Tout ça pour dire que on a en gros remboursé les 4 à 5 premiers mois. C'est ça. Donc voilà, alors, que vous continuez à faire des dons. Ça nous est utile et bénéfique puisqu'on souhaiterait que le serveur soit autofinancé. Maintenant, en ce qui concerne le serveur, donc, comme vous avez pu le constater il y a quelques jours, le forum a subi quelques petits bugs, on va dire. C'était tout simplement dû à un changement de machine. Changement de machine et un transfert de la base de données. Alors, qui dit changement de machine, comme vous l'avez constaté tout à l'heure, on a également changé l'adresse IP du TeamSpeak. Et dans les prochains jours, on va peut-être même migrer le serveur sur cette machine. Alors, c'est encore que
Enfin, on est encore que dans les tests, enfin Percy est encore que dans les tests. Mais voilà. Alors, concrètement, on aura à peu près, je pense, les mêmes. Voilà. Il fallait bien que ça arrive. 1, 2, On 3. aura. C'est ça. On aura la même qualité de jeu, voire plus. Hein. On sait, enfin, je ne sais pas encore. Hein. On n'a pas encore débriefé un petit peu les tests de Percy. On aura une machine dédiée. Et surtout, le serveur coûtera moins cher. Donc voilà, enfin, c'était juste pour faire un petit point financier pour bien vous montrer que tout l'argent que vous nous donnez, on l'utilise bien pour le serveur. Et si on jamais un jour on récoltait plus d'argent qu'il n'en faut pour financer le serveur, cet argent-là vous serez redistribué au travers des deux concours, etc. Enfin, alors, on a quelques idées avec Percy pour le moment, mais on en parlera une fois qu'on sera entre guillemets bénéficiaire, enfin, et que le serveur pourra tourner sans moi qui finance derrière. Tout à Donc voilà, fait. c'était un point pour vous montrer vraiment que Thalys c'est notre bébé et on fait vraiment pas ça pour la thune. Et de toute façon, je pense que ça se sent quand ce genre de choses est faite. Bref, je ne sais plus trop quoi dire, donc je pense que je vais te laisser réciter tes trois bouts de phrases que tu as écrit, que tu m'as écrites sur le forum tout à l'heure. Hein. C'est ça. Oui, je balance. Hein. Alors, aujourd'hui est un jour très spécial puisque nous fêtons la première année d'existence du serveur. La première bougie. Alors, Enfin, on voit que c'est lui. Oui, voilà, je le sais. on sent que c'est préparé, hein. La première bougie donc soufflée en ce samedi 22 août. À l'heure où je vous écris, il y a plus de 3500 joueurs qui sont rentrés sur le User in your serveur. channel is recording. Donc ça nous fait une moyenne de 10 joueurs par jour. Donc nous, peu importe le nombre, que vous soyez 10 de connectés jusqu'à 30, ça, c'est pas un souci, c'est pas ce qu'on recherche. Nous, avant tout, c'est vous faire plaisir, c'est véhiculer les bonnes valeurs qu'on essaye bah, justement de vous faire ressentir depuis le début du serveur. Donc nous, vraiment, notre but, c'est que vous vous amusiez. Parce que si tu t'amuses pas sur un serveur, pour moi, je vois pas l'intérêt. Même pour jouer, si t'as pas la notion de plaisir, ça vaut pas la peine. Donc après notre serveur se veut être communautaire, convivial, solidaire et surtout amusant. Donc je pense User in your qu'on a channel ça. started recording. Faut pas oublier que Minecraft est un jeu et que donc un jeu c'est fait pour s'occuper, passer le temps, mais aussi pour s'amuser. Voilà, globalement je pense que les joueurs s'amusent, même s'il y en a voilà certains. De toute façon c'est Minecraft, on finit toujours par se lasser à un moment donné. Après justement nous on fait en sorte de faire des mises à jour, de renouveler un peu le spawn, les constructions, on essaye d'ajouter Avec la des communauté. plugins, voilà. On essaye de vous écouter pour mettre en place des nouveautés pour éviter justement que les joueurs se lassent. Mais on sait très bien qu'un jour ou l'autre, de toute manière, certains joueurs seront amenés à partir. Mais justement, Le si plus on. tard possible, bien Voilà. entendu. Notre but, c'est de repousser, de vous repousser au Bah, de toute façon, maximum votre. on a vos adresses, on saura vous retrouver si jamais vous quittez le C'est serveur. ça. C'est pour ça, faut toujours rentrer ces informations quand vous User in inscrivez your channel started sur le site ou sur recording. le forum, comme ça on vous retrouve. User in your channel is recording. Donc après, certes, nous ne sommes pas le meilleur serveur du monde, mais on cherche voilà continuellement à progresser, à s'améliorer. Tout ça dans l'optique d'augmenter votre sensation de jeu et de plaisir. Donc par exemple, je pense au job. J'ai fait en sorte justement, j'ai fait exprès de pas tout mettre directement pour justement. Créer une petite sensation de. Voilà, c'est pour éviter que vous vous lassiez, quoi, que j'ai fait ça, Alors, justement. juste un truc, sortez tout de suite ces idées malsaines de vos têtes, hein, quand Percy parle de mettre des trucs petit à petit, bref. Non, parce que j'en connais deux ou trois là qui sont en train de nous écouter, qui sont partis en vrille, je pense, hein. Oui, je vois. Et puis sinon, notre staff est à l'écoute. Nous garantissons toujours une réponse rapide, puis on essaye de régler le plus rapidement possible. Bien sûr, il y a des fois où on est un peu débordé, mais on fait toujours en sorte de vous répondre rapidement. Je pense que contrairement à d'autres serveurs, on est quand même pas mal axé sur la communauté, on est assez proche de vous. Enfin, je parle surtout moi. Je sais que ça peut me jouer des défauts, mais justement, c'est bien aussi d'avoir un administrateur proche des joueurs. Et je pense que c'est Et comme. l'autre un peu moins. Voilà, c'est pour ça que notre serveur marche bien. En tout cas, moi, je prends vraiment un plaisir à administrer Thalys.
Ça fait 2 ans maintenant que j'administre des serveurs et 1 an Thalys aujourd'hui. Et franchement, c'est un pur plaisir. Et encore plus avec Fenris, parce que ça faisait déjà un moment qu'on voulait créer Thalys. Absolument. Et voilà, bah, j'espère que ça va durer encore déjà 1 année et on verra par la suite. Mais j'espère que l'année qui va suivre sera aussi bonne que la première. On a fait plein de changements et j'espère justement que ces changements feront que vous prenez vraiment du plaisir à jouer sur le serveur. Parce que c'est tout ce que je souhaite. D'ailleurs, un petit peu de pub, hein. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à passer sur le forum. Forum! C'est... Il n'y a pas de souci, on est ouvert à la discussion, bien entendu, comme toujours. Voilà, et donc pour dire un dernier mot, quoi qu'il en soit, nous tenions à remercier tous les joueurs ayant consacré du temps sur notre serveur, qu'ils soient partis ou que vous soyez encore présents, on vous remercie infiniment, et surtout les membres du staff, parce que c'est quand même pas mal de temps dépensé sur le serveur, c'est pas évident des fois. Et puis bien sûr, merci à mon collègue Fendris, sans qui tout ça ne serait pas possible aujourd'hui. Enfin, merci à toi aussi. Bon, on va éviter de se lancer des fleurs, mais clairement, je pense que c'est surtout notre duo qui fait que le serveur fonctionne, hein, Et et pas autre maintenant, chose. je vais vous téléporter pour le feu d'artifice. Un joli feu d'artifice, vous êtes en. Restez, ne flyez pas trop, s'il vous plaît. J'aurais pu mettre de la musique, mais bon. Je vous laisse admirer. Feu d'artifice créé par Temal et Smat. Merci à vous. En espérant que ça. Faudrait prendre un screen avec les pseudos parce qu'on va faire face. Et tu sais, moi t'es pas le seul à avoir pris des screens. Ouais, t'es pas le seul. Bah, est-ce qu'il va prendre des screens aussi peut-être? Attends, Meta, tu me gênes. On a vu ta tête. C'est un 32 pour refresh. Plus D si c'est pour les Linux. Pour un refresh, c'est peut-être. Oula, n'y allez pas, c'est la Ou le C. N'y allez pas. Non, c'est pour la caméra, les gens. Coucou YouTube. Bonjour. Bonjour YouTube. Quelqu'un filme? Oui, moi. Ah, comme ça on met sur Alors, YouTube et sur Face. Percy, je te passe. Est-ce que je peux dire un truc? Oui. Percy, je te passe. Ouais, vas-y. Alors moi, ça fait des années que je connais Fendris. On a été sur des serveurs avec Nestri, Yohan et tout ça. Enfin voilà, on donne des noms, mais enfin, voilà. On a jamais connu. Enfin, je vais dire la vérité, on n'a jamais connu de serveur qui a duré 1 an. Je vous vois tous les deux, là, Percy et Fendris, vous avez fait un serveur magnifique, enfin vraiment avec une communauté géniale, enfin Syrah et tout ça, Nura, Philox, enfin tout le monde.
Vous êtes des joueurs fantastiques. J'adore rencontrer des gens comme ça. C'était le cas avec Fenris, avec El Bandido, avec tout le monde comme ça. Et j'adore l'expérience que j'ai vécue et j'adore ce que vous avez fait en fait avec Thalys. C'est vraiment un serveur très, très beau. J'adore ce que je vois en fait et j'espère que ça continuera plus que 2 ans, plus que 3 ans, plus que, que tout, que vous ferez mieux que, ce qu'on a, déjà fait auparavant. En fait. Voilà. Bah merci beaucoup. Tu m'as fait pleurer, Kétain. C'était beau. C'était beau, presque. Voilà. Non, j'avoue, ça, franchement, ça m'a touché, tu vois. Franchement, ça m'a fait quelque chose. Je veux dire, on a essayé de faire un serveur avec Returns et on s'est un peu mis sur la gueule avec Fenris et ça me fait encore chier aujourd'hui. Je sais même plus pourquoi Fenris d'ailleurs, je te l'avoue. J'ai pas envie d'en parler. Ouais, c'est voilà, du passé. Et en fait, on a essayé, c'était bien, mais voilà, ça a pas donné. Enfin, c'était pas un serveur, on va dire, qui a marché. Dioxide. Et on a rencontré, franchement, ce qui est intéressant, c'est qu'on a rencontré vraiment du monde. C'est les gens qu'on rencontre en fait durant le jeu, durant l'expérience, qu'on soit administrateur. And when brotherhood come first, then the line will never be crossed. Established it on our